Nous allons prendre dans l'épître de Paul aux Philippiens, si vous voulez bien, au chapitre 3. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Tout à l'heure, il était question d'un face à face. Combien, bien-aimés, nous devons nous préparer à ces moments-là. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui dit ici dans Philippiens, chapitre 3, au parti du verset premier, il nous est dit. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les seigneurs. Je, je ne mets là ce point de vous écrire ces mêmes choses, les mêmes choses. Et pour cela, et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous dans les seigneurs. Est-ce que nous nous réjouissons toujours dans les seigneurs Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu et qui nous glorifions en jésus christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair je le puis bien davantage moi circoncis le, le huitième jour de la race d'israël de la tribu de benjamin Hébreu, né d'hébreu quant à la loi pharisien quant aux ailes persécuteurs de l'église irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Ça c'était avant. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, je souligne dans ma Bible, si je puis, c'est-à-dire que rien n'est gagné, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'aille remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, quelle grâce d'être dans ta présence, quelle grâce d'être dans ta maison. Combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur. Et chaque jour, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, nous rendre compte. Parce que chaque jour, Seigneur, notre Dieu, tu nous, tu nous bénis, tu nous, tu nous gardes, Seigneur, tu nous protèges. Et ce matin, tu permets, Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ta parole. Bénis ce moment, Seigneur, mon Dieu, et que toi seul sois glorifié au milieu de nous. Seigneur, nous prions que tu puisses aussi visiter ton peuple ce matin, toi qui connais les besoins, les attentes. Seigneur, que tu puisses faire du bien à tout et chacun. Bénis le reste de la journée, Seigneur, que tout ce qui sera fait et dit dans ces lieux, en ces jours, soit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés? L'homme de, de Dieu, l'apôtre Paul, pouvait dire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1 Soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même du Christ. C'est important, bien aimé, dans la vie chrétienne de s'identifier au Seigneur. On a eu déjà l'occasion de le dire plusieurs fois on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. On le devient parce qu'on a choisi un jour de donner sa vie au Seigneur. Et parce qu'on a choisi de donner sa vie au Seigneur, on s'efforce, on va dire, à se conformer à ce que lui, il est. Pour que ces jours-là, le moment venu, que nous soyons avec lui. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est comme il dit Soyez mes imitateurs, comme lui-même il était du Seigneur. On voit dans la vie de cet homme combien il avait l'amour de Dieu. Bien aimé, quand on a l'amour de Dieu, on a l'amour des autres. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et haïr les autres. Et ça, ce n'est pas possible. Quand on prend par exemple les épîtres, on voit que l'homme de Dieu, il commence toujours ses, ses lettres en se présentant comme étant le serviteur de Jésus-Christ. Ici, dans l'épître aux, aux, aux Philippiens, il dit, Paul et Timothée, dans chapitre 1, verset 1 Paul et Timothée serviteur de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Il ne va pas se présenter comme étant le grand homme de Dieu. Comme certains que nous connaissons actuellement, le grand prophète venait à la réunion. Il y aura le grand apôtre qui va faire des miracles. Lui se présente comme étant le serviteur. Et je me souviens des pasteurs Calzada qui était ici il y a quelques jours, qui disait que le mot serviteur, c'est le mot euh, en grec, qui, qui, c'est doulos. Doulos, c est, c est, c est le, ça va de soi, c'est le mot français qui donne douleur. C'est une personne qui est appelée, on va dire, à la corvée. L'esclave, c'est l'esclave en fait. Et l'esclave, c'est, on connaît dans l'histoire, l'esclave était corvéable à merci. L'esclave, c'était l'homme à tout faire. Et il n'avait pas droit à la vie et il n'avait aucun droit en fait. Et tous les droits étaient pour son maître. Son maître avait le droit de vie et de mort sur l'esclave. Bien aimé, et l'homme de Dieu se présente. Ici comme serviteur, simple esclave. Je ne suis rien, je ne suis que celui qui sert le Seigneur. Et parce que je sers le Seigneur, je sers les autres. Et alléluia. Et il s'associe à Timothée, il dit Paul et Timothée, serviteur de Jésus-Christ. On voit aussi ici l'humilité de cet homme. Il ne s'attribue pas de, de gloire quelconque. Il dit Paul et Timothée. Combien c'est important bien aimé dans l'œuvre de Dieu de pouvoir associer aussi les autres? Quelquefois on s'attribue tout, tous les honneurs, mais ça c'est le monde. Le monde va chercher toujours à accaparer tout, à tirer toujours la couverture, la couverture à soi. Mais dans le Seigneur, on est ensemble. On avance ensemble. On ira au bout ensemble. Alléluia. Que Dieu nous aide. Paul et Timothée, son fils spirituel. Ils l'associent aux salutations. Ils sont serviteurs de Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure que l'œuvre de Dieu ne se fait pas tout seul, mais toujours en collaboration avec les autres. Bien-aimés, dans la maison du Seigneur, dans la vie chrétienne, bien-aimés, l'égoïsme, le moi, l'orgueil ne doivent pas exister. Le, je fais tout tout seul. Il n'y a que moi. Pourquoi moi Le moi doit disparaître dans la vie de tout un chrétien. Mais malheureusement, quelquefois, il est toujours là. Alors, il se présente, évidemment, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. On voit ici que l'homme de Dieu respecte le corps du Christ. Il respecte l'Église, à tous les saints. Il n'est pas en train de, 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 on va dire, de maltraiter l'Église, de les insulter ou de dire, de, 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 je ne sais pas quoi, mais il les appelle saint en Jésus-Christ. Combien nous avons besoin, bien aimé, de, de respecter les frères, les sœurs. Même si on est conscient de certains égarements. Bien aimé, nul n'est parfait. Mais la sainteté, nous l'avons en Christ. Alléluia. C'est par lui que nous devenons saints. Ce n'est pas qu'à l'église de Philippe ou à l'église de Corinthe. D'ailleurs, si on prend l'église de Corinthe, nous connaissons le, le, les Épîtres, on voit que dans l'église de Corinthe, il y avait un grand désordre. Mais l'apôtre Paul va les appeler à tous les saints qui sont à Corinthe. Alléluia. Il ne regarde pas ce qu'ils sont, mais il regarde ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Combien nous devons voir nos, dans nos frères, dans nos sœurs, ce qu'ils sont dans les seigneurs. Plutôt que de dire, ben oui, oui, mais lui, il y a, euh, a encore des choses dans sa vie qui ne sont pas correctes. On est appelé à aller de l'avant. On va voir tout à l'heure que la vie, d'ailleurs, ce message, je l'ai intitulé Courons pour la vie éternelle. La vie est une course. La vie doit être cette, cet engagement que nous prenons d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et combien c'est important de nous respecter les uns les autres. Quelques fois, même dans l'église du Seigneur, les gens sont en train de se tirer dans les, dans les pieds. Quelquefois, dans l'église du Seigneur, on est en train de se, de se bagarrer, mais pourquoi Je vais dire. Et en dehors de l'église, même dans nos vies personnelles, chez nous, dans nos maisons, quelquefois, c'est le, le désordre. Et nous sommes chrétiens. Quelle, quelle tristesse Quelle tristesse Mais en tout cas, l'esclavage dont il est question dans la vie chrétienne, c'est un service volontaire, sans contrainte, sans oppression. Mais vécu plutôt comme un privilège. Je préfère être esclave de Jésus qu'être esclave du diable. Je préfère être esclave de Jésus dans son amour parce que son jour est doux et léger plutôt qu'être esclave du péché. C'est un, un esclavage volontaire, sans oppression. Mais c'est un privilège, une grâce du Seigneur. Contrairement, je disais, à l'esclavage du péché, à l'esclavage de l'alcool, des cigarettes, de la pornographie, de l'Internet. Il y a des gens, malheureusement, chrétiens, mais qui passent des journées et même des nuits devant des films obscènes. Mais on est aussi à l'Église et on écoute la parole et on glorifie les Seigneurs. Combien c'est malheureux. Il y en a qui ne peuvent pas s'en passer. Mais que Dieu nous aide. Je ne suis pas ici pour euh, juger qui que ce soit, mais c'est pour mettre, taper un, peu de, un petit coup de marteau pour que là où nous avons nos faiblesses bien-aimées, que nous puissions régler les choses. Que nous puissions réparer. Parce que Dieu nous voit Dieu nous connaît. Je suis chrétien, je m'identifie à Christ. Je suis un petit Christ. Et parce que je suis un petit Christ, il y a des choses de, dans ma vie qui ne doivent plus exister. Alléluia. Je dois faire cet effort. Si j'étais dans l'alcool, si j'étais dans la drogue, si j'étais dans, dans la pornographie, je dois faire un effort d'en sortir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Les apôtres montrent qu'ils suivent l'exemple du Seigneur. Jésus, il a dit Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui, qui se sert. Le vrai chrétien, il est comme Christ. Il est celui qui sert. Alléluia. Il est, moi, j'étais toujours impressionné. C'est une des raisons, d'ailleurs, que j'aime l'Église, notre Église. Parce que quand, quand on était venu à l'Église, on était encore dans le sang, au 105 Raymond-Losseland. Je me souviens une fois, c'était Noël. C'était Noël, et puis il y avait un repas de Noël à l'église de Noël ou fin de l'année, je ne sais plus, mais il y a déjà longtemps, il y a eu une vingtaine d'années de cela. Et c'était le pasteur Carter qui remplaçait le pasteur Lindemann, et il était là en train de servir. Ah Et moi, dans mes premiers pas de chrétien, de voir le pasteur, qui me dit Jean, tu veux du jambon Tu veux. Oh, pasteur, il me sert, moi qui suis rien. Mais ça, c'est une leçon d'humilité, mes frères, mes sœurs. J'ai été dans des endroits où c'était différent. Bien sûr, on doit honorer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on doit les honorer, c'est sûr. Mais de voir l'homme de Dieu qui se met à me servir, mais ça, ça m'a marqué mais toute ma vie. Lui, il ne le sait pas. Quelle grâce! Mais ça, c'est s'identifier à Christ. Christ, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Combien nous devons prendre soin. Les nôtres, pour combien nous devons être l'esclave, mais dans le bon sens du mot, comme je disais tout à l'heure, l'esclave de Jésus-Christ. Seigneur, je veux être comme toi. Ta présence en moi, on a chanté tout à l'heure, mais ta présence en moi, Seigneur, réjaillit autour de moi. On voit les effets de cette présence autour de moi. Le Seigneur dira que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Dans le monde, on cherche les honneurs, je le disais tout à l'heure, on cherche à être grand. Le DG adjoint, j'ai un ami qui est DG adjoint, son but c'est d'être DG principal. Son but c'est d'effacer l'autre qui est au-dessus de lui. Mais ça c'est le monde. Parce qu'il n'accepte pas qu'on l'appelle DGA. Ah non, mais les A là faut que ça disparaisse. Je veux lui, la place là qui est lui là. Parce que je veux les, les honneurs, il a des honneurs, hein, il a l'argent, il a tout. Mais il dit non, là. Mais ça, c'est le monde. Mais nous, le Seigneur nous appelle à être serviteurs des autres. Tu veux être grand, sers les autres, tu verras ce que Dieu, comment Dieu va t'élever. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui même. Ah, Ça, c'est pas facile. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On noter, à noter que Jésus ne dit pas venez, venez renoncez à vous-même si quelqu'un veut. Il ne vous oblige pas, il n'oblige personne. Le Seigneur n'oblige personne, c'est question de volonté. On ne peut pas suivre Jésus si l'on n'est pas mort à soi-même. On ne peut pas suivre Jésus si. Je garde mon ancienne vie, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter dans un corps souillé. Si le Saint-Esprit habite en moi, ce qui est ténébreux en moi doit partir. Même s'il y a cette lutte qui va quand même s'engager, c'est normal parce que le diable ne partira pas comme ça. Il ne s'avoue pas vaincu facilement. Il sera toujours là pour essayer de te donner des coups. Mais la vie, c'est un combat. Ce sera toujours comme ça, mais je dois, je dois tenir ferme dans le Seigneur afin que j'aille jusqu'au bout. On ne peut pas suivre Jésus si on n'est pas mort à soi-même. Et s'il ne consent pas à quelques sacrifices, je disais l'autre jour ici que avant, avant d'être chrétien, on avait quelques facilités, peut-être parce qu'on pouvait se permettre certaines choses. Mais quand on est devenu chrétien, la vie change. Les soi-disant facilités que j'avais, je ne peux plus continuer dans cette vie-là parce que je suis devenu un enfant de Dieu. que signifie réellement renoncer à soi-même Beaucoup pensent qu'il s'agit de s'infliger des interdits. Malheureusement, il y en a qui pensent que renoncer à soi-même pour aller à Lourdes, je descends de la gare à la gare de Lourdes, je me mets à genoux, et je marche à genoux jusqu'à euh, la grotte, n'importe quoi. C'est comme ça que Dieu, Dieu va m'exaucer. Ah ben, tu, vois, tu auras des genoux endoloris, mais tu vas finir à l'hôpital et tu vas comprendre. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait des sacrifices volontaires que Dieu va nous être agréable. J'avais une, une collègue qui est dans une certaine religion. Et un jour il y avait un bon plat de je ne sais plus c'était de, de côte de porc, euh, je ne sais pas, la moutarde et Ah c'était magnifique. Il dit Ah aujourd'hui je ne mange pas. Ah bon, pourquoi tu ne manges pas? Ah je fait ma grâce. Ah, ah oui, mais comme ça Dieu va écouter mes prières. Parce qu'elle ne va pas manger. En fait, pour elle, le fait de ne pas manger ses bons plats, Dieu va exaucer ses prières. Mais je vais dire quelle folie. Ce n'est pas parce que tu te prives, elle n'est pas en train de gêner, hein. mais c'est parce qu'elle sait que c'est tellement bon qu'en se privant des bonnes choses, Dieu va exaucer ses prières. Ah ben, on, on s'est bien régalé de son plat. Mais que voulez-vous En ah, plus c'était bon. Lui, lui il fait sa glace et nous, on ne rempli plus le ventre. Dieu ne peut pas être agréable parce que tu ne veux pas de ta part de dessert. Il y a d'autres... Ah, Seigneur, toi-même, tu as vu. Ça, c'est M. Maurice qui nous disait à l'école biblique. Ah, tu, Seigneur, toi-même, tu as vu. Je n'ai même pas touché mon dessert. Hein. Mais alors, mais les voisins vont s'en occuper. Ce <laughs> n'est pas ça. Ce n'est pas un aliment qui va nous rapprocher du Seigneur ou nous éloigner du Seigneur, mes frères et mes soeurs. Ce n'est pas en se privant des choses ou en se donnant de, 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 des interdits euh, choisis, d'ailleurs, qu'on va être agréable au Seigneur. On est agréable au Seigneur parce qu'on a accepté Jésus, parce qu'on marche à nouveauté de vie, parce qu'on sait qu'il a tout accompli pour nous. Seigneur parce que je m'accroche à toi Seigneur et je fais ta volonté alléluia. Renoncer à soi-même c'est renoncer à être son propre chef. C'est faire que Jésus soit mon chef. Que Jésus soit celui qui dirige ma vie. Renoncer à soi-même c'est renoncer à ses intérêts personnels. Mais considérer les intérêts des autres. C'est crucifier son ego. Que les gens m'accassent que je suis meurent et qu'on voit les gens m'accassent en Christ. Alléluia. C'est glorifier Jésus dans sa vie de tous les jours en restant en écoute de sa parole et en étant en écoute du de, de Saint-Esprit. Il y a des traductions de, de ces concepts-là, de renoncer à soi-même, j'ai trouvé dans, dans, dans une de mes notes, la tradition de ces concepts dans diverses langues. C'est ne pas s'occuper de soi-même, c'est s'oublier, n'avoir pas de considération pour soi-même, ne pas se tourmenter pour soi-même. Il y en a qui se tourmentent pour eux-mêmes. Oui, peut-être je vais penser à moi, mais est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que lui pense de ce que moi je pense Déjà toujours impliquer le Seigneur dans notre vie. Ne pas s'adorer soi-même, cesser de faire ce que son propre cœur désire. Est-ce que nous faisons toujours ce que Dieu veut ou nous faisons ce que Dieu, ce que nous, nous désirons N'est plus s'appartenir à soi-même. Maintenant, on appartient au Seigneur. L'esclave appartient à son maître. Si on est un vrai esclave du Seigneur, j'appartiens à Jésus. L'esclave, je vous disais, n'a pas de vie. Sa vie appartient à son maître. Est-ce que je m'appartiens à moi-même ou j'appartiens à Jésus est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es là, est-ce que ta vie appartient à Jésus ou ta vie est encore entre tes mains? La question que les gens se posent, c'est que est-ce que Jésus est vraiment mon maître? Est-ce qu'il est le maître de chacun de nous ce matin qui sommes là? Est-ce que c'est lui qui gouverne ma vie? Quelle valeur j'accorde à mon âme? Parce que si je m'attache à moi-même, si je fais ce que mon cœur désire, si je vis ma vie comme bon me semble, bien aimé, je, suis, je vais droit au mur. Il faut que je laisse Jésus conduire ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, dirige chaque détail, chaque détail de ma vie. Quelle valeur j'accorde à mon âme. Pour le Seigneur, en tout cas, le prix d'une âme, c'était la croix. Il est allé à la croix pour toi et pour moi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul appelle les chrétiens de les saints. Il considère l'œuvre de la croix. Ce n'est pas par vos propres efforts, ce n'est pas par vos, vos mérites quelconques que vous êtes des saints. Mais vous êtes des saints parce que quelqu'un a payé pour vous. Alléluia. Et le saint, toujours dans une certaine religion, il y en a qui pensent que c'est le saint, c'est celui qui a un certain pouvoir pour intercéder. Pour toi, les saints qui saints entre guillemets, les saints Pierre, les saints Joseph et tout ça. Ma femme travaillait dans, chez, dans une famille et elle disait à la, à la famille qu'elle était chrétienne. Et mais, eux, ils disaient, ben, nous, 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 on a saint, saint Joseph. Qu'est-ce que saint Joseph peut faire dans ta vie? Qu'est-ce que saint Joseph peut faire pour quelqu'un? Enfin, saint Joseph entre guillemets. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut faire quelque chose pour moi. La Bible dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Que Dieu nous aide. Si on va passer par le Saint, d'ailleurs il y a un proverbe qui dit pourquoi euh, comment ça se dit d'ailleurs pourquoi s'adresser au Saint si on peut s'adresser à Dieu tout euh, directement. Pourquoi je vais m'adresser à Saint Joseph alors que je peux m'adresser directement au Seigneur. Je me souviens aussi, il y avait un jour, quand on était avant, il y avait un prêtre qui est passé à la maison. En fait, il est venu voir une dame, une personne âgée, qui habitait au rez-de-chaussée. Et la dame savait que nous, on était chrétiens. Donc, elle a parlé de, à ce curé qu'il y avait des chrétiens là-haut. Donc, il est monté nous voir. Et quand il est arrivé, quelqu'un frappe à la porte. Je suis curé de la paroisse. Ah, d'accord, il rentre. Et j'ai prié, J'ai fait la prière. Et le curé me regarde à la fin de la prière et me dit, ah parce que vous, c'est vous-même qui faites la prière. Ben, lui, le curé, lui, il ne ben, sait pas prier. Lui, c'est les le prières déjà faites, là. Et je vous salue, Marie, et tout ça. J'ai dit, ben non, moi, j'ai ma relation directe avec le Seigneur. Moi, je parle au Père directement. Ah bon Ben oui, voilà. Il est étonné. Il est étonné que ce, que ce soit moi qui prie, Seigneur, je te bénis pour la présence de, de, de la venue de cet homme dans cette maison, prie que ce moment soit à ta gloire et j'ai prié. Et il est étonné que le chrétien puisse prier. Mais En tout cas, il a appris quelque chose ce jour là. Le Saint, ce n'est pas celui qui a, comme j'ai dit, un certain pouvoir, quelconque pour agir en faveur de qui que ce soit. Le Saint, c'est toute personne sauvée, justifiée par la foi en Christ et mise à part pour le Seigneur. La sainteté, c'est ça, la sainteté, c'est d'être à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, Alléluia. Nous vivons avec les autres, mais nous, sommes, nous avons notre vie à part en dehors, parce qu'on ne peut pas se conformer au siècle présent. On ne peut pas vivre comme tout le monde. On vit dans ce monde, mais on vit selon ce que le Seigneur nous apprend au travers de sa parole. Alors, on va revenir aux Philippiens. La raison pour laquelle je vous parle de ça, parce qu'on voit dans la vie de l'apôtre Paul que c'est quelqu'un qui ne faisait pas semblant. On voit dans la vie de cet homme qu'il est passé par toutes les étapes, mais en tout cas, c'est quelqu'un, quand il dit Soyez mes imitateurs, comme je les suis moi-même du Christ, il n'était pas en train de, de dire, ce n'était pas des mots en l'air. Mais on voit au travers de sa vie. Alors, il dit dans euh, Philippiens au chapitre 3, quand il dit Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les Seigneurs. L'homme de Dieu appelle les chrétiens à se réjouir. Je vous rappelle que cet épître est, est écrite, il est en prison. Et en prison, quelqu'un en prison qui exhorte les autres à être joyeux. Ça, c'est quelque chose de fort. Tu passes par des moments difficiles, mais tu trouves le moyen d'exhorter les autres. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. C'est-à-dire que je m'oublie moi-même. Je ne fais pas cas de ma vie, de ce que je suis, de mes souffrances, de mes douleurs, mais la volonté. Ma volonté, c'est que le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Et là, il leur dit, réjouissez-vous dans les seigneurs. Et il va le dire encore au chapitre 4. Je le répète, réjouissez-vous dans les seigneurs. Je veux dire ici, quelle grâce et quelle, quelle profondeur, quelle intimité avec les seigneurs. Que quelles que soient les difficultés, on est en train d'exhorter les autres. On est en train d'encourager les autres. Est-ce que nous nous réjouissons toujours dans les seigneurs? Pensant, que, pensant à sa grâce infinie pour nous et aux promesses qui nous attendent. Pourquoi je ne vais pas me morfondre dans mes problèmes, dans mes soucis? Bien aimé, je sais ce qui est devant moi est meilleur que ce que je vis aujourd'hui. La vie que je vécue hier n'a rien à voir à ce qui m'attend pour l'éternité. Donc, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, c'est le Seigneur Alléluia, je reste attaché à toi et on avance. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Bien-aimés, vous savez, l'ennemi est toujours en train de nous attaquer. L'ennemi sera toujours là pour essayer de nous enfoncer. Il sera toujours là pour essayer de nous rappeler notre passé. Ah ben oui, mais Jean, toi, tu peux bien parler toi. Mais sauf que ça, c'était le passé. Et aujourd'hui, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi et je vais aller de l'avant avec toi. Si l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à être joyeux, bien aimé, il ne se lasse pas non plus de les avertir sur les fausses doctrines. Du fond de sa prison, il leur dit Soyez joyeux dans le Seigneur, mais en même temps, il leur dit Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela, et pour vous, cela est salutaire. Euh, c'est bien de répéter, enseigner, c'est répéter. Les enfants font des bêtises à la maison, mais on ne doit pas se lasser. De répéter, de corriger, afin qu'ils ne recommencent pas dans les, mêmes, dans les mêmes bêtises. Il dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. L'homme de Dieu est ici en train de tirer la sonnette d'alarme, parce que dans l'Église, il y a, je ne parle pas d'Église ici, dans l'Église en général, il y a aussi des fausses doctrines, il y a aussi des faux ouvriers, il y a aussi des, des, des gens qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Et l'enfant de Dieu que, nous, que tu es, que je suis, nous devons faire attention au message que nous entendons. Je bénis les seigneurs pour, pour, pour l'Assemblée, pour mon Assemblée, permettez-moi de vous le dire, parce que je pense qu'ici personne ne prêche pour son intérêt personnel. Le plus important, c'est le salut des âmes. Et les mauvais ouvriers, c'est ceux qui mettent dans le message, édulcoré. J'étais en Afrique il y a quelques mois. On m'apprend qu'il y a un pasteur nigérian, moi je suis du Congo, et ce pasteur a une, une jeep, le hammer, une jeep un peu bizarre. Là. Bon, cet homme vient avec sa jeep devant l'église et il demande à chaque chrétien de passer par une porte et de sortir par l'autre pour avoir la bénédiction. Vous voulez la bénédiction du pasteur Allez dans la voiture du pasteur Lindaman comme ça vous passez dit. Des... <laughs> d'une porte à l'autre. Et toute l'Église fait, 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 fait la queue pour passer de... Mais je dis, mais quelle folie. Et il va venir là, vous voulez être comme moi, donner. Vous voulez aussi avoir comme la voiture que j'ai là. Mais ben, hey, allez, allez, passez le Je vais dire, mais quelle folie. Après, le pasteur va dire, ah, mais vous voyez, moi, je suis béni. Hein. Et vous, ah, vous n'êtes pas béni parce qu'il y a des choses dans votre vie. Parce que lui, il est en train d'exploiter de, les peuples de Dieu. Il est en train d'exploiter la misère des gens. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai dit que c'est ça que l'apôtre Paul dénonce ici. Les faux ouvriers, là. Les chiens, les, les gens impurs, aux pensées impures, qui sont là pour exploiter les peuples de Dieu. Bien-aimés, bénissons les Seigneurs. Quand nous sommes dans une assemblée où la parole de Dieu est annoncée dans sa simplicité. Nous n'avons rien à gagner, je l'ai dit, mais c'est pas pour que. C nous n'avons rien à gagner sinon de nous réjouir que les âmes passent des ténèbres à la lumière. Quelle est grâce! Combien aussi, je vais vous dire personnellement, quand je vois des âmes qui vont, qui s'éloignent du Seigneur, j'en pleure. J'en pleure. Parce que je dis, mais ce n'est pas possible. Seigneur, tu ne vas pas laisser partir cette âme-là. Le but, c'est quoi? Pas, on ne peut pas chercher son intérêt. Dieu nous appelle à, à annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, l'évangile, d'amener les âmes, de les sortir des ténèbres, afin qu'ils passent à la, à, à, la douce, à la douce lumière du Seigneur. Mais quand on voit qu'il y a des vies qui sont encore euh, tiraillées par l'ennemi, on, on ne peut pas se réjouir. Raison pour laquelle je vous dis, mes frères et mes sœurs, si même quelqu'un de l'Église, on attend, on, a, on apprend que cette personne a failli, ou il y a eu telle chose, prions pour cette personne. Ne soyons pas là en train de lapider, de jeter des pierres, d'enfoncer, de l'enfoncer encore davantage. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on doit prier pour que cette âme revienne au Seigneur. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux, aux faux circoncis. Les faux circoncis, c'est les faux chrétiens, on va dire, entre guillemets. C'est des gens soit au nom d'une certaine religiosité vont dire « Ah bon, toi tu n'as pas fait ça, tu n'iras pas au ciel. » Ils sont les juges. Parce que dans l'église, euh, à Philippe comme euh, à, euh, en Galatie, il y avait des, ce qu'on appelle les judaïsants, qui disaient au, au peuple de Dieu « Ah, si vous ne vous faites pas circoncile, vous n'êtes pas sauvés. » Et l'apôtre Paul rappelle que la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au matériel. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes, euh, à quel, compte sur, euh, à quel, quel montant j'ai sur mon compte, ou à quel poste je suis. Dieu regarde à, dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a pour lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Paul s'est attaqué aussi d'ailleurs par rapport à ça euh, dans l'épître de, 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 aux au Galates, notamment dans, quand il parle de si quelqu'un vous annonce notre évangile, que c'est lui que nous, vous annonce, nous avons annoncé qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce qu'on ne peut pas changer la parole de Dieu. Le véritable message de Dieu, mes frères et mes sœurs, pour nous, est centré sur Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est donné pour nous à la croix, où il a vaincu la mort, où il a vaincu les péchés, où il a vaincu la maladie, où il a vaincu la malédiction, et nous donne la vie éternelle, que son nom soit béni. Il y a des gens qui disent Ah, moi, je suis, je suis maudit. Un enfant de Dieu n'est pas maudit, il est béni. Alléluia. Parce que la malédiction, il a portée à la croix, maudit quiconque est pendu au bois. Et lui, il a accepté le bois pour toi et pour moi, afin que la malédiction ne soit pas sur toi, mais lui, il a pris la, la malédiction sur lui. Alléluia. Comment peux-tu dire, je suis, ma je suis maudit Hier, j'ai regardé le match à la télé. Il y a l'entraîneur de Lille, apparemment, c'est la quatrième fois qu'il perd. Et il y a des gens qui disent, oh, ben, il est maudit. Hein. Parce que tu as perdu un match, tu es maudit. Mais combien de chrétiens se disent aussi maudits parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu vas dire Ah oh, mais je suis maudit. Les choses ne vont pas dans ta vie, bénis le Seigneur. Parce qu'au travers des épreuves, au travers des choses que nous vivons, Dieu nous parle. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Faisons attention à, à nous, à nous auto juger. Je suis maudit, moi je suis béni, et vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à le faire. Amen. Le vrai circoncis, c'est nous. D'ailleurs, dit l'apôtre Paul, nous ne mettons pas notre foi dans n'importe quoi, nous croyons que Jésus est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous, alléluia, qu'il est assis à la droite du Père pour nous, là où il intercède pour toi et pour moi. Combien je sais que, Seigneur, je reste attaché à toi parce que je ne peux pas faire autrement. Si je tiens à ma vie, si je tiens à te voir un jour, si je tiens à ce qu'un jour je sois face à toi, Seigneur, Seigneur, je reste attaché à toi, quelles que soient mes faiblesses, quelles que soient les choses qui peuvent m'arriver. Alors, tout enfant de Dieu véritable doit rechercher à être comme Christ. Christ était parfait, mais nous, nous devons faire tous nos efforts pour tendre vers la perfection. Tout doit être mis en œuvre pour tendre vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons faire tout ce qui a notre pouvoir pour tendre vers la per perfection, pour être comme Christ. L'enfant de Dieu doit tendre vers la maturité spirituelle, doit chercher à progresser. On ne peut pas rester euh, à un stade euh, et puis on n'avance plus. On reste, on dit, bon, pour ben, moi c'est bon, pour moi c'est... Je pense que j'ai eu ma dose. Non. Chaque jour, on fait des efforts pour aller encore plus loin avec le Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit connaît la nature humaine. Il connaît nos, ré nos rébellions, nos luttes entre l'esprit qui est bien disposé et la chair qui est faible. Mais dans ces combats, Dieu veut se glorifier aussi. Nous pouvons donc connaître des chutes et des échecs, mais nous devons continuer la course toujours attachés au Seigneur. Vous savez, la vie, je disais tout à l'heure, la vie est un combat. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu connaîtras des moments de joie, mais tu connaîtras aussi des moments de, de doute. Tu connaîtras aussi des échecs. Et ils peuvent même t'arriver aussi de chuter. Ah, ça, il n'y a que des saints ici, on fait des saints qui ne peuvent pas. Mais moi, je sais qu'on peut. Et ça peut nous arriver par un moment d'égarement, je ne sais pas, ça peut arriver à tout le monde. Amen. Mais dans tout ça, bien-aimés, nous devons continuer la course. Je ne regarde pas mes échecs. Je ne regarde pas à, à mes chutes, je ne regarde pas même à mes, à, à mes bonheurs, et au moment de joie que j'ai pu avoir. Seigneur, je regarde ce qui est avant, devant moi, et je continue la course. Parce que quelquefois, on s'arrête. Ah, parce que là, j'ai failli. Ah, parce que là, j'ai mal parlé. Et puis, on va s'arrêter, on va passer une semaine sans prier, et on n'a même plus envie d'aller à l'église parce qu'on a fait quelque chose de, de pas bien. Mais il faut prendre conscience, le Saint-Esprit en nous. Qui nous rappelle que non, ça c'est pas bon. Bien aimé, on doit prendre conscience et se relever, continuer la course pour la gloire du Seigneur. Même au travers des événements de la vie, des échecs, Dieu veut qu'on se repose, qu'on se repose pas sur nos acquis, mais que nous prenions conscience que nous avons besoin de faire des progrès. Au travers de tes échecs, au travers de ce que tu vis, Dieu veut que tu apprennes à compter, à compter sur lui et à aller plus loin avec lui. Au verset 12 de ce que nous avons lu, l'apôtre Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est une course. Il dit, parce que les gens pensaient que Paul prêchait la, le perfectionnisme, Paul était sans péché, Paul, euh, oui, mais il dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Même l'apôtre Paul, il dit que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais ce que je fais, je cours pour tâcher de le saisir. Il rappelle qu'il n'a pas atteint la perfection, qu'il n'est pas encore parfait comme Christ, mais que cela est et, et doit être l'objectif final pour chacun de nous. Je n'ai pas atteint la perfection, je n'ai pas encore atteint le but, mais ma vie doit être cette course permanente pour tâcher de saisir la vie éternelle. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Être conforme à Jésus, c'est rechercher cette sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La Bible dit aussi, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On veut avoir, avoir ce cette, cette, cette face-à-face avec le Seigneur. Bien-aimés, recherchons la sanctification. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais faire vite. Alors, cette recherche de sanctification doit être le moteur qui, doit, qui nous fait courir. Parce que j'ai besoin d'être saint. J'ai besoin que ma vie change. Tout ce, que, tout ce qui peut m'empêcher d'être à la gloire de Dieu, je vais faire des efforts pour les enlever de ma vie. Si je n'y arrive pas aujourd'hui, je continuerai à prier, je continuerai à demander au Seigneur de m'aider à me débarrasser de tout ce qui ne fait pas sa gloire dans ma vie. Je ne peux pas persister dans la position où je dis oh c'est pas grave. Il y a des gens même si à l'église ou même dans la vie ou même parce que Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre, Dieu te reprend par rapport à une certaine conduite qui n'est pas à sa gloire. Quelquefois on dit oh mais ben, c'est pas grave. Ça c'était les pasteurs mais lui est pas il n'est pas au courant. Ou alors on dit bon ben, ça c'est mon ami qui a parlé. Ou non, mais ben, comment il peut dire des choses comme ça ben, moi je continue ma vie. Bien aimé, si tu continues ta vie, alors que Dieu te parle, Dieu te reprend par rapport à des conduites qui ne sont pas pour sa gloire, tu te mets en danger et tu te mets en danger tout seul. Quelle tristesse. Les échecs, le, même les, les, les victoires ne peuvent pas euh, m'empêcher de continuer. À glorifier le Seigneur et que, à rechercher la sanctification. Malheureusement, beaucoup s'arrêtent de courir pensant que c'est gagné, que tout est acquis. Je viens à l'église, je donne ma dîme, je fais tout ce qui est bon, ok Pour moi, tout est acquis, je ne fais plus rien. Non, on doit continuer. Si hier, hier, j'ai accompli des progrès, aujourd'hui, j'en vais encore plus. Hier, je ne parlais pas en langue. Par la grâce de Dieu, je parle en langue, je vais chercher à parler encore plus en langue. Je commence à donner des dons spirituels à l'église. Ça commence timidement, hein? ça ne va pas tout, tout de suite. Euh... D'ailleurs, les premiers dons, on est, peu, on est un peu hésitant. Mais après, on a quand même cette, cette, cette certitude que le Saint-Esprit parle à nous. Et puis, de progrès en progrès, on glorifie le nom du Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai donné un don spirituel une fois à l'Église que ça y est, moi, Alléluia, j'ai donné un don. Mais je vais devoir rechercher encore à en donner à édifier le peuple de Dieu. Chaque jour, c'est un jour que Dieu nous donne pour aller de l'avant avec lui. La raison pour laquelle l'apôtre Paul insiste, il dit au, au verset 12, donc ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi-même j'ai été saisi par Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Ce n'est pas qu'il est dans les doutes, hein, mais il est dans la persévérance. On persévère. Il dit Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant tout son passé là qu'il a cité là. Lui, pharisienne, de et tout ça. Oubliant tout ça, tout ce qui faisait ma gloire avant. Oubliant même mon passé chrétien. Tout ce que j'ai pu faire comme chrétien, tous les progrès que j'ai pu réaliser, tous les exploits que j'ai pu faire comme chrétien. Oubliant tout cela, je fais une chose et me portant vers ce qui est en avant. La tradition qui, est, euh, qui donne me portant euh, vers ce qui est en avant, c'est tout tendu. Donc tout, tout mon être, tout mon esprit, tout mon corps est tendu vers l'avant. Je suis tourné vers l'avant. Le passé, c'est le passé. Le bon, le mauvais, tout s'est passé. Mais maintenant, ce qui m'importe, c'est ce qui est devant moi. Mais portant vers ce qui est en avant, je cours. L'homme de Dieu continue de courir, mes frères, mes sœurs. Combien c'est important, nous aussi nous devons courir. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout tendu vers l'avant, mais portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Est-ce que ce matin nous pouvons dire que nous courons vers le but Est-ce que mon frère, ma soeur, tu cours vers le but vous savez, la marche en avant doit être la priorité du chrétien. Ce n'est pas la marche arrière. Quand on engage la voiture en arrière, on recule. Mais la marche en avant, ça doit être la priorité de chacun de nous. Le regard en arrière est un risque d'échec. On ne peut pas avancer si on a le regard tourné en arrière. On ne peut pas avancer si on se contente des exploits du passé. En fait, on est en train de. On stagne. On tourne, on fait du surplace. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous avancions, que nous progressions. Comme Paul pouvait aussi le dire à Timothée, que tes progrès soient évidents. Que tes progrès, bien-aimés, est-ce que nous progressons Ayons les regards fixés sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, oui, la croix, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et est assis à la droite du trône de Dieu. Il a, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui nous est, qui nous est réservée, bien-aimé, le Seigneur a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et c'est la raison pour laquelle il est assis à la droite du trône de Dieu. Voulons-nous la même position Si nous voulons la même position, alors on ne, lâche, on ne lâche rien et on court. Que Dieu vous bénisse.